Et voilà, de retour à cette deuxième partie. On est à la deuxième partie de la course, donc 31e tour sur 57. J'ai plus de RS. La Perez qui s'éloigne de Gasly. Minute 6-4 sur Hamilton. Et puis Verstappen, 11-25. Non, pas de suite. Puis on s'approche de Pierre Gasly. Ok, 4-2 sur Hamilton, c'est good. J'attends avant de mettre la pleine puissance du moteur Mercedes. 4-2. Je veux savoir l'écart avec Verstappen de... c'est quoi? 11 secondes 7. Pfff. Bien là. Pas de suite, pas de suite. On va laisser charger encore la batterie. Ça sont montés, c'est 33 secondes. Non, 33e tour sur 57, pardon. Gasly, 7e, Sherball, il n'y a pas pantoute le raid comparé à Perez. Bon. Je sais pas si Perez est en train de rattraper la claire.
Ah, pour vrai, ça... Ça veut pas. C'est Perez, 6e. Perez, 6e. Attrape Charles Leclerc chez Ferrari. Ouais, Hamilton au puits. Est-ce que Verstappen est au puits? Oui. Et Leclerc qui continue. Non, et Vettel qui continue. C'est Leclerc qui s'arrête. Ça pue, Vettel deuxième, ça pue. J'ai plus de RS ni de assez d'essence pour faire ça. Pour mettre le mélange riche. Et voilà, Vettel au puits. Est-ce que Vettel va rester? Pour être un machin after une course, mais le drapeau jaune à cause de ça, hein. Justement. Là, j'étais à peine qu'il n'y aurait pas la troisième place. J'étais à peine 14 secondes 9 de Hamilton. Une 36, 4 sur Hamilton. Certes.
Oh, je suis plus là qu'à Hamilton. 4 secondes. Pas plus vite. Il est rapide au bout. Il reste 20 tours. Il ne te reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. La fenêtre dans 3 tours. 3 tours. Donc, tu es en tête, les premiers. C'est Lewis qui est derrière. Ils ont de nouvelles comme médium. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. Oh. La fenêtre d'ouvre dans 3 tours. 21 tours restants. On tête à queue. Verstappen qui enlève son taux de retard et puis Vettel pilote numéro 2 de la Scuderia. Oh, il y a eu contact avec Vettel. Moteur Ferrari contre le moteur Mercedes. Leclerc pour rattraper Vettel. C'est mon nom entre Hamilton et Verstappen, et là, Leclerc. Les pneus présentent des signes d'abrasion, tu devrais pouvoir les utiliser convenablement, mais ils ne sont pas optimaux. Non, non. Mes pneus sont. Ils sont tous finis. Oh. T'es là. I fuck off. Que lui avait-elle? Ça va le faire. Ouais. On a gros les faire de l'appareil photo qu'on voit dans les estrades. Et la Claire qui se rapproche de Vettel. Oui, un contact. Oh. Il y a un léger contact entre moi et Vettel. Vettel.
Vettel. Oh, la claque qui se rapproche. Rentre sur ce tour, donne tout ce que tu as. Faisant que j'ai plus beaucoup de RS, ben je vais jamais leur charger un peu. Dehors. J'ai manqué mon virage. Je brûle en face à Vettel. Leclerc, Vettel, activé. Oh, il y a un contact avec Vettel. Est-ce que Leclerc peut tenter quelque chose? Ok, tu es sur Box. Et on m'appelle l'autre. Ouais. Ce que j'ai déjà dit. Et voilà, on est au puits, 80 km maximum. Les deux Ferrari, voilà ce que c'est. C'est fait pour Leclerc. Et nous, excellent. 2 secondes, une très bonne arrêt. Chez Mercedes. La bataille entre les deux Ferrari. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses comme jusqu'au bout. Une bataille entre les deux Ferrari. Est-ce qu'il y a une consigne d'équipe pour laisser Leclerc aller chercher Verstappen? En tout cas, parce qu'il reste environ, je sais pas comment il reste trop tôt.
Amélioration d'un dixième. Accélération moteur Mercedes contre le moteur Honda. Pour le meilleur tour. Perez 6e avec la McLaren. Un 34 sur 58. Là, ça semble être une guerre entre les deux Ferrari. Ah, l'objectif là, c'est pas de la battre en plus, c'est d'aller chercher Verstappen. Ça prend Robert Kubica. Est-ce que c'est toujours une guerre Ferrari au 44e tour? Oh, le Vettel. Vettel derrière Leclerc, mais l'objectif c'est pas de se battre entre les deux Ferrari, c'est d'aller chercher Max Verstappen et Leclerc qui résiste à Vettel. Les prochains pilotes là.
Leclerc, excellent pilote. On va tout mettre en puissance, la pleine puissance du moteur Mercedes. Ouh non, on va pas le passer. Attention à Leclerc. Oh, il y a un léger contact gros contre vous. C'est Kubica, hein. C'est pas qu'il y aura pas trop de niaiseur avec Kubica, Leclerc. Ça dégage, ce là. Tout qui roule là. Ouais, wow, t'as-tu vu la... Je vais me le pogner maintenant. Ça dégage. Donc il reste 11 tours à faire dans la course. Oui, mais au premier secteur. Verstappen, troisième. Attention. Ouf, Verstappen, j'ai fait le saut après moi. Un peu. Okay.
Verstappen par l'intérieur. Oh. Pour le loin. Oh, il y a le DRS, t'es sûr. Tour à faire. Verstappen. Oh, il y a eu un contact. Allez, quand Leclerc et Verstappen se réduit. Oh, l'aspiration sur Verstappen. C'est 36 km/h. Ah, j'ai perdu. Oh my god. Oh, j'ai pu casser le rond à Verstappen. Oh, il y en a un plus. Est-ce que vous... Il reste 8 tours à faire. À faire. Je t'appelle. Oh, j'ai pas de rien. Regardez Leclerc qui rapproche de Verstappen. Est-ce que Leclerc va pouvoir tenter? Au virage numéro 10. Ah, mais Leclerc est collé à Verstappen. Ah, Leclerc est trop loin. Ah si, ils sont collés. Moteur Ferrari contre le moteur Honda.
à la ligne droite. Est-ce que ça va se faire là? Ou ça va se faire sur la ligne de DRS? Leclerc carré pour l'instant, moteur Ferrari au maximum, 52e tour. Sur 57, et attention, Leclerc qui tente. Voilà, Leclerc. Et Leclerc devant Verstappen. Charles Leclerc qui passe Max Verstappen. C'est tout à faire. Oh my god. Verstappen a campé un peu comparé à Leclerc. Est-ce que Vettel pourra rattraper le Verstappen? Pas live, pas live, on va attendre, on va attendre. 53e tour sur le total, 57. Ouais, sur 5 tours à faire et... Voilà, on va acheter à peine, abîmé. Let's go. Voilà. 4 tours à faire dans quelques secondes. Une 37, 0. Il nous reste 5 tours de carburant. Tour de carburant que 4 tours à faire. Kevin Magnussen, 7e. Oh, on améliore. Ça prend juste la puissance moteur dans le 3e secteur. Ouais, c'est
La VTL qui a passé quand je t'appelle, numéro 2, 1-33-5-86. J'ai 3 tours à faire. On va changer un peu la batterie. Il n'y a presque plus. Prochain Grand Prix en Chine que je vais la surnommer. Ah, ça j'aime mieux garder pour une petite surprise. S'il y a des chinois qui m'écoutent en ce moment, ça, prenez-le pas personnel, mais vous allez tout voir. Oh, je vais tout expliquer ça dans ma prochaine vidéo sur le Grand Prix de Chine. Voilà, Lance joue 15e. Belle remontée pour Lance. Dommage qu'il est parti 20e, finit 15. 3 tours de carburant. Oh! Et attention parce que Sergio Perez se rapproche de Max Verstappen. Est-ce qu'il va manquer de temps? En tout cas, l'écart entre Verstappen et Perez, elle baisse. C'est puis. Et voilà, le tour d'honneur à Bahreïn. Russell. Le tour d'honneur. Oh non. Oh, shit. L'écart. Ouais, Ah, pour vrai, là. Je ris si. Non, pour vrai, l'écart est vraiment bas entre Perez et Verstappen. Ça m'étonnerait pas qu'il passe. Direct à la fin. En tout cas, l'écart continue de baisser. Ouais, ça sera
Les derniers mètres à Barène. Et on va rapporter un autre Grand Prix. Get in it, yes. What a race, mate. What a race. Guys, thank you so much. Fantastic job turning around today. Mercedes et Leclerc troisième. Peut-être content d'être fier d'être sur le podium. Que si Perez a passé le chapin, non. Leclerc. Stroll. Ouh. Ouais, c'est vrai. On va aller voir le classement pour tout ça. VTL qui est égalité avec Verstappen. Puis Leclerc. 30 points. Et puis moi, je suis à 52 devant mon coéquipier Lewis Hamilton. Donc, Racing Point qui est 5ème. Donc, à 9 points derrière McLaren. Le classement pilote Carlos Sainz, dernier. Deux Amazon dans cette saison. Voici les temps forts. On va aller voir le reste.
belle performance aujourd'hui. Non, il est sans rien. Je peux vous poser quelques questions? Ouais, vas-y. Peu importe ici de ce duel, vous allez, c'est un cowboy restaurant. Bon, on va prendre celle-là, ça va nous mettre fair play. L'accident aurait pu mal tourner. Je pensais que c'était. Hein? Eh bien, merci quand même. Je mets fair play, là. Donc, on va aller voir les petits commentaires. Tout le reste, là, les poids de ressources, face à face, réputation. Vétéran fair play ou mise en avant, tout ça là. Donc face à face contre Hamilton. Ouais. 9 contre Leclerc 5-3. Et puis les points de ressources, j'ai hâte de voir le total de ça. Oh oui, 689 pour un total de 3906. Donc, c'est good. Puis la réputation qui monte chez tout le monde. Et puis, si on est au fond, ça aussi. Non, si on travaille plus en vétéran, c'est plus en fair play. Beau travail ce week-end. Merci. C'était un plaisir de vous voir sur le podium. Donc, on va prendre une amélioration. Aéro. Ah, j'ai pas qu'à se chier dessus, je pense que je vais attendre. Moi, ouais, c'est comme moteur pro. On va aller chercher une amélioration de la puissance du moteur. Ah non, je vais attendre, je vais attendre. Non, je vais mieux attendre, on va savoir. Attends, je vais attendre, mais non, pas pour ça finalement. C'est quoi? Prendre une amélioration sur le MGK. Donc si vous avez aimé cette course, n'oubliez pas de mettre de vous abonner, mettre un commentaire, liker et partager. Ciao tout le monde.